Bonjour tout le monde, les gars! Comment ça va? Je suis excité comme une mufle, les gars! La vie de ma mère, c'est vrai! J'en peux plus, vivement ce soir! J'en peux plus, les amis! La vie de ma mère, c'est vrai! Oh, les gars, ce soir, c'est encore plus beau qu'une finale, et je le pense, les gars, sur la vie de ma mère, c'est vrai! Ah les gars, ce soir, s'il y a victoire, mais ça c'est comme si on avait gagné la Champions League ce soir et c'est la vérité. Mais moi, je me demande comment on peut perdre contre l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Bilbao, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Ils sont pourris, les gars. Ils ont perdu contre le dernier de Liga et c'est la vérité. Majorque, les gars, Majorque. Oh les gars, palmarès de Majorque, on a une station balnéaire et c'est la vérité. Palmarès de Majorque, toute la France va là-bas au mois d'août. Et c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh, les gars, l'Atlético de Madrid, avant, ils défendaient bien. Maintenant, ils savent plus rien faire, les gars. La vie de ma mère. Moi, j'ai vu Griezmann de retour à l'Atlético de Madrid. Mais j'avais peur, les gars. J'avais peur. La vie de ma mère. Griezmann, voilà. Oh, il est fini, les gars. Il est fini. Oh, ce mec, au moment où sa carrière elle allait décoller, la vie de ma mère, atterrissage immédiat, les gars. Et c'est la vérité. La vie de ma mère, Griezmann, Grisouzou, ouais, la vie de ma mère. T'es un enfant, bâtard. T'es nul. Et c'est la vérité. Sale grosse merde, va. La vie de ma mère. Les gars, il n'y a plus personne, Suarez. Il a fait une bonne saison, il a donné le titre, ça y est, maintenant il s'en bat les couilles, il peut partir à la retraite normal. Vous allez voir, là, à la fin de la saison, il va partir en Arabie Saoudite, ce nulard aussi, là, c'est la vérité. La vie de ma mère, incroyable, les gars. Pff, les gars, j'ai la pression, c'est incroyable. Pour le coup, la pression, je la bois pas, les gars. Je l'ai en moi, les gars, ancrée dans moi, c'est un truc de fou, les gars. J'ai une pression, les frères, mais c'est incroyable. Je crois que j'ai plus de pression que les joueurs en eux-mêmes, et c'est la vérité, les gars, c'est incroyable. J'ai une pression, les frères, vous n'êtes pas prêts, c'est incroyable. La vie de ma mère ce soir, les gars, j'ai vu quoi? J'ai vu, il n'y a pas Uribe ce soir. Oh là, on a perdu d'avance, et c'est la vérité, j'ai peur. Uribe, c'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps, offensivement. Défensivement, sexuellement, sa femme, elle doit être refaite, les gars. Mais c'est la vérité, bordel. Mais j'ai vu quand même, normalement, le retour de Pépé. Je parle pas de l'attaquant parce que l'attaquant, tout le monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, il est absent ce soir et tout le monde s'en bat les couilles aussi. Mais le défenseur qui sera bien là ce soir, normalement, j'ai bien dit, les gars, normalement. La vie de ma mère, s'il est pas là, c'est perdu d'avance, les gars. Donc voilà les gars, la vie de ma mère, ça va être une courte vidéo. J'ai pas envie de parler pour rien. J'ai toujours les fumigènes chez moi que j'ai toujours pas utilisés, les gars. C'est la vérité. J'attends la grande occasion. Et la grande occasion, ça peut être ce soir, les gars. Ce soir, les gars, vous avez vu le temps? Il pleut, il fait moche, ça pue la merde. Ça fait une semaine qu'on se gèle les couilles. Demain, apparemment, il fait 3 degrés à Bordeaux, les gars. Ce matin, il faisait 6. Le soir, il fait entre 6 et 7, les gars. Sur la vie de ma mère. Hein. Écoutez-moi bien. D'abord, j'ai un petit message, les gars. D'abord, j'ai un message pour les joueurs du FC Porto et à Sergio Conceição. La vie de ma mère, Sergio Conceição, fais les bons choix, bordel de merde. Ah, mais c'est bon, tu vas faire les bons choix. Ce soir, ton fils, il est absent. Et ça aussi, c'est une grande nouvelle et c'est très important, les amis. La vie de ma mère, c'est vrai. Sinon, il aurait mis titulaire, ce faible qu'il est là. Il n'a pas envie d'embrouille. Il héberge toujours son fils alors qu'il gagne 400 000 euros par mois, ce bâtard. La vie de ma mère, c'est vrai. Les joueurs, la vie de ma mère. Oh. Les joueurs, avant de rentrer sur la pelouse, éteignez vos téléphones, éteignez les réseaux sociaux, fermez les yeux, juste ouvrez les yeux quand vous serez sur la pelouse. La vie de ma mère, vous allez croire, c'est l'Athletic Bilbao. Athletic Bilbao est égal match nul. La vie de ma mère, il marque 0 but, cette équipe de merde. La vie de ma mère, c'est vrai. Oh les gars, s'il vous plaît, me décevez pas. L'Atlético de Madrid, ils sont nuls. Les gars, on doit prendre une revanche par rapport au match aller où on s'est fait voler. C'est la vérité. Taremi, la vie de ma mère ce soir, c'est ton soir, bordel. C'est ton soir, bordel. Tu dois te venger, tu dois avoir faim de vengeance ce soir. La vie de ma mère, incroyable. Allez les gars, allez les gars.
autre chose. Je compte sur le public, mais ça, je m'en fais pas. Vous allez voir l'ambiance de folie, les gars. Les boîtes de nuit, elles ferment pendant 4 semaines en France. Mais vous allez voir ce que c'est une vraie boîte de nuit ce soir au Stade du Dragon, les gars. Ouvert à tout le monde, mineurs, femmes, tout, transsexuels, tout, les gars, tout. La vie de ma mère, venez comme vous êtes. Allez tous au stade, allez faire un test. Vous donnez 50 euros, vous êtes positif, on s'en bat les couilles. Allez au stade, bordel, au stade. La vie de ma mère, c'est vrai. Vous allez voir ce que c'est une grosse ambiance. Une ambiance à la hauteur du match, les gars. Vous allez voir. Et c'est pour ça que l'équipe, je suis confiant, les gars. Ils ne vont pas nous décevoir ce soir. Et c'est la vérité. D'ailleurs, en parlant de moi, pour mettre ma pierre à l'édifice, les gars, j'avais tout prévu. Je devais aller au stade. Je devais y être. La vie de ma mère, c'est... Ah, pardon, excusez-moi. Je devais être au stade, les gars. Mais j'ai vu quoi? J'ai vu ma carte d'identité. Elle est périmée, les gars. Elle est périmée. J'ai la haine. La haine, les gars. La haine, mais les gars... Pour vous prouver que je suis à fond, ce soir, c'est soit la victoire, c'est une fête chez moi. Je mets le feu à la maison, frère. La vie de ma mère, c'est vrai. Ou alors, si on perd, on se fait éliminer. La vie de ma mère. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faisait 6 degrés le soir. La vie de ma mère, je me baigne dans ma piscine tout nu, les gars. Tout nu, et c'est la vérité. Soit ça, soit je sors dehors tout nu et je cours pendant 100 mètres tout nu. La vie de ma mère, c'est vrai, les gars. La vie de ma mère, oh là là, mais je sais que je vais pas le faire, les gars. Je sais. Oh, les gars, les joueurs du FC Porto, ils vont voir cette vidéo. Ils vont dire, c'est bon, on peut pas le laisser faire ça. Ils vont gagner ce soir grâce à moi, les gars. Les gars, allez Porto, allez Porto et re-allez Porto. Allez les supporters, ce soir on va être 12, les gars. Vous allez voir ce que c'est un 12e homme ce soir. Et je parle pas de l'arbitrage, bien évidemment, les gars. Attention, je préfère préciser pour les mauvaises langues là. Donc voilà, les gars, allez Porto, allez bordel, allez!